J'hésite vraiment sur la question de savoir quel bulletin je vais pouvoir mettre dans l'urne parce que je ne me reconnais dans aucun des candidats, même s'il y en a beaucoup cette fois-ci, mais il n'y en a aucun qui emporte une adhésion complète. Et j'ai pas envie pour le premier tour d'un vote par défaut et j'ai pas envie non plus d'un vote utile dès le premier tour. À ce stade, pour une élection présidentielle, c'est une première. Ça fait maintenant un petit moment que je me pose la question. J'étais plutôt partie sur un vote blanc au premier tour, parce que je considère malgré tout que le vote c'est quelque chose d'important. Mais là, j'en suis réduite à me poser la question de savoir si je vais même me déplacer, dimanche prochain. Je suis déjà consternée par le niveau de nos représentants. Je trouve qu'il y a une absence de vision, de remise en question. Et l'impression que tout ça me laisse, en fait, c'est là, ça se pose vraiment de façon encore plus accrue, c'est de se battre pour garder les postes. Les changements se font plutôt à la marge, je trouve. Et pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est pas que j'attendais forcément beaucoup de François Hollande, mais quand il est venu dire mon ennemi, c'est la finance et je vais renégocier les traités européens. Pour moi, ça avait été deux points forts et 5 ans plus tard, le résultat est assez décevant, je trouve.